Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser avec un catalogue notre serveur WSUS Package Publisher. Nous avons déjà vu ensemble comment faire l'installation et la première configuration. Nous avons vu aussi comment nous pouvions installer un MSI ou un exécutable. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un catalogue fourni par un fabricant. Alors, il existe plusieurs catalogues. Je dirais que pour l'instant, le plus dur, c'est de retrouver où sont les catalogues. Alors, c'est un point CAP, c'est quelque chose de très très simple qui nous est fourni par les fabricants. Donc, j'ai pris le cas du Adobe. Donc, la première des choses, une fois que j'ai téléchargé mon catalogue, c'est un point CAP, ça va être d'importer ce catalogue dans notre serveur WPP. Donc, je lui dis où se trouve le point CAP. J'ai pris un catalogue qui faisait un update de Adobe Reader. Si vous preniez par exemple un câble de quelqu'un qui va faire les Adobe, je dirais les autres versions, vous auriez beaucoup plus de choix. Là, j'ai pris le catalogue qui disait je vais faire la mise à jour d'un Adobe version 8, 9, 10, 11 vers la version d'essai. Vous voyez que là, le catalogue se fait tout seul, le paquet pardon, se fait vraiment tout seul. C'est un peu long par contre, je vous préviens, dedans je l'ai raccourci pour la vidéo, mais c'est vraiment très long. Une fois que le package a été fait, vous voyez que tout a été fait tout seul. Il ne nous reste plus qu'une chose, c'est l'approuver. Donc on voit que dans ce cas-là, j'ai pris le bon package qui était vraiment la mise à jour. Je l'approuve sur mes postes de travail. Si j'avais été curieux, j'aurais très bien pu aller voir, faire réviser pour aller voir exactement si c'était quoi les settings. Maintenant, je vais sur mon poste de travail. Je suis sur un Windows 10. Dedans, je vois que pour l'instant, j'ai bien la version 11 de Adobe Reader qui a été installée. Donc, je vais faire quelque chose de classique. Je vais faire une recherche de mise à jour. Ça prend toujours un certain temps faire les recherches de mise à jour avec Windows 10, surtout, je trouve. Mais il a bien trouvé que j'avais une nouvelle version à installer. Il va le télécharger et il va l'installer tout simplement. Alors, on peut voir dedans que tout simplement l'icône Adobe va à un moment donné disparaître et il va réapparaître, ce qui veut bien dire qu'il a bien supprimé l'ancienne version pour installer la nouvelle. Voilà, l'icône vient de disparaître. Et le nouvel icône vient d'apparaître. Alors dans la vidéo, j'ai raccourci un petit peu, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Je vous préviens tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un message d'erreur à la fin qui m'indiquait que ça avait échoué. Pourtant, quand on regarde, ça a bien fonctionné et je n'ai pas eu d'autres erreurs que ça. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'investiguer un petit peu plus. Vous voyez, là, j'ai bien une erreur, échec de la mise à jour. Mais par contre, c'est bien le Acrobat DC qui est installé. N'hésitez pas à venir me visiter sur mon site www.frbmg.com.